Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés. Car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants, comme des brebis, mais à présent vous êtes retrouvés, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes.